beaucoup. Alors, ce matin, on a eu la visite d'un entrepreneur qui est venu faire le tour un petit peu de la maison parce qu'on a envie de faire des petites rénovations et changer quelques mobiliers, notamment des éléments de salle de bain, évier, miroir, tout ça, meubles. Les peintures sont toutes craquelées. Il y a des choses qu'on pouvait pas forcément faire, notamment des volets en extérieur parce qu'on est dans un quartier classé historique. Pas évident, mais bon, on a trouvé d'autres choses. Notamment pour les volets de la chambre, ça peut être cool. Cette salle de bain qui est dans la chambre du haut, on va changer ça, ce meuble qui a donc 11 ans, qui est tout abîmé. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit coup de peinture serait bien, mais ça, il m'a expliqué, sinon moi je vais poncer puis je referai. Ici, il y avait eu une fuite. Donc ça, c'est peut-être avec l'assurance, il y a eu une fuite d'eau. Ça a tout ravagé. Donc soit mettre crédence, soit peint. Donc ça serait une peinture sans doute peut-être un peu colorée. Voilà, tout là, ici, en laissant les portes blanches, les entourages, ça peut être sympa pour faire ressortir quelques éléments. Deuxième salle de bain, nous allons changer ce meuble. Ici, on va se faire une séparation avec un rideau. Ici, pareil, tout ça, ça va changer au niveau de la peinture. Ce meuble va partir. Ce serait bien qu'on puisse en mettre un là, ici, tout long. Ici, il va repeindre, hein. Pareil, il y a eu des déménagements. Ça, c'est le fameux problème qu'on a eu avec les gars de la fibre qui nous ont tout ruiné. Je sais, ça fait plus d'un an, mais on a eu des problèmes. Bref, voilà, ça va être fait. Là où j'ai envie de faire une couleur, juste pour cette partie-là, faire une couleur un petit peu, enfin je vous montrerai de façon, juste cette partie, et pour équilibrer ici aussi. Et cette partie donc, voilà, de la fibre, hein, où ils ont tout pété, on va mettre également crédence, parce qu'on a peur qu'en peignant ça revienne. Et puis je pense ici aussi, ah non, peut-être que ici. Et comme nous sommes samedi, qui dit samedi dit, il est quelle heure, 11h14, et ben je crois qu'on va bouger comme on fait d'habitude. Il faut que j'aille lui dire ce qu'il est reparti dans son bureau, et on va se faire un petit truc sympathique. Ça te dit qu'on bouge? Oui. Comment? D'accord, toi. Bah, je suis prête. Je ne vais pas faire d'effort, je suis en mode cool. Et ce matin, j'ai traité, vous l'entendez ou pas? Heureusement qu'il m'a dit prépare-toi et tout. Je pense que c'est moi qui vais l'attendre. Bref, ça c'est le listing de toutes les commandes de la box de mai que je suis en train de commencer à traiter. Et petit rappel, si jamais vous voulez la somptueuse, elle s'appelle comme ça le thème, box de mai, c'est jusqu'au 10 mai inclus, c'est-à-dire que le 10 mai jusqu'à 23h59, vous pouvez la commander. Et après, t'es fini. Je crois que c'est un petit chat qui biche. T'es bien là, hein, sur ta petite banquette. Vous avez vu un peu? Dès l'instant où je lui parle, il faut parler à vos chats, ils adorent ça. Et plus vous parlez, plus il va devenir lui aussi bavard. Il y a vraiment des échanges qui se créent. Je pense que c'est pour tous les chats comme ça. Il faut prendre un petit air un peu concon. Il faut le flatter. Je te reconnais, t'es le chat le plus beau au monde. C'est toi, hein? Oui? Oh, il est beau celui-ci. On va faire un petit tour juste à Mobalpa, il est 11h30, pour voir un peu les comparatifs, les prix des meubles. Merci. Bonjour. Là, on va aller manger, mais chez Mobalpa, on a vu des choses. C'est vrai que là, c'est extrêmement cher. Hop. Attends, merde. Mobalpa, c'est le style français. Ouais. Attends, parce que je vous ai posé sur un verre pour dialoguer, mais ça ne suffit pas. Est-ce que c'est mieux? Ouais, bof. Oui, donc Mobalpa, rien que le robinet, il était à 420 euros. Enfin bon, bref, c'était intéressant de regarder. Ça fait trop de bruit. Déjà, ça fait trop de bruit, ça devrait être interdit, ça. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Et bah, on nous a dit que la carte avait changé. C'est ça. Depuis hier soir. Hier soir, ouais. Mais c'est beau. Bravo. Il faut essayer maintenant. C'est ça. Gin tonic. Prendre une chose, toujours aucune personnalité. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. En fait, elle m'a payé avant d'arriver pour que je dise ça. Mais... Oui, non, mais c'est bien de faire des comparatifs comme ça. Parce que non, moi, j'ai repéré des meufs. Il faut quand même dire les choses que... Je me bêche, je suis désolée, je suis tout arrachée, sinon je ne vous vois pas. Non, on a été chez Mobalpa. Mobalpa, c'est construit en France. Déjà, on a besoin de changer deux, mais ça me ferait trop mal aux fesses de mettre. Parce que là, celui qu'on a vu, il était à 4 000 euros. J'étais chez Renault. Non, mais là, on parle d'un petit meuble de salle de bain. Tu rentres dans le hall d'exposition de chez Renault et tu vois la safrane au-delà. Ah, il y a un peu de l'ambiance. Ah oui, ambiance boudoir. Oui, j'ai vu. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont pris les mêmes couleurs que toi. Le blanc, le noir et le rose. Et le miroir, il est contenu dans un encadrement qui fait étagère avec un éclairage vertical qui est orienté du haut vers le bas. Et tu ne l'as pas directement dans le visage. C'est très mignon. Et ben c'est super bien fait. Petite gin tonic.
Alors le truc c'est très salissant, mais c'est joli. Tout est salissant, c'est sanitaire. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai changé, j'ai pas pris d'omelette, j'ai pris une nouveauté. La CNews et BFM faisaient leur une sur l'investiture d'Emmanuel Macron. Ouais. Mais que le réel changement c'était toi, puisque t'avais quand même changé le plat. Allez, santé. D'omelette à quoi? Tempura de crevettes, sauce. Voilà, quelqu'un pas qui passe d'omelette à tempura, je pense que c'est quand même un changement de politique majeur. Bon, rien que l'assiette, c'est pas mal. Hein. C'est les tempura, il y a des asperges, c'est joli. Hein. Ah, nickel. Si vous avez passé frites, vous vous dites. Hein. C'est gentil, merci. Beaucoup. On dirait la moitié d'un baba avec de la chantilly. Oui. Cannelé, il est exceptionnel. Oh là là. Bon, je mange mon truc. Le café au riz, les petits chavalots et le café. Et toi, tu t'es pris quoi? Mi-cuit, chocolat blanc. Qu'est-ce que c'est bon, chocolat? Bah, eh oui, il y a plein de chevaux sur la place. Il y en a un qui est en train de faire je sais pas quoi, sa fille. Ouais. Par contre, c'était, mais du début à la fin, exceptionnel le repas. Le tempura était bon, la sauce, tout était top. Pour un jumelage aujourd'hui, ça oui, j'ai entendu l'Espagne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu veux me sentir? On va faire du dressage, on va d'accord. faire un peu de combat, il y a les musiciens, il y a les danseuses. Là, nous, on a un spectacle au domaine national de Chambord. Là. Vous tournez dans toute la France? Oui, des tournages, des spectacles. Ouais, j'imagine. Je vais vous laisser travailler quand même. Je vais m'écarter parce que... Bah alors, on dirait moi avec ta frange. Ils sont hauts, ceux-là. La robe, je crois qu'on l'appelle comme ça, elle est belle. Elle est... Oui, bah, je veux pas vous déranger, les amis. Les animaux, en général, je les caresse jamais comme ça. J'attends et qu'ils acceptent. Tu es d'accord? T'es beau, mon bonhomme. Hein, t'es beau. Alors, bah on va aller à Butte maintenant pour faire des comparaisons. Donc, on va voir déjà les petits meubles. Des bêtes. On essaye de mettre en place un truc pour éviter de mourir. J'avoue. Alors, comment ouvrir une porte sans mon problème? Ok. C'est grave. Bon, Butte, il n'y a pas, ils font pas sanitaire, enfin, ils font pas meubles de salle de bain. Ils font rien. Et aussi, il faut qu'on change notre cafetière depuis deux semaines. Le café est pas bon, amer, en fait, faut la changer, quoi, tout simplement. C'est chiant parce que j'ai l'impression qu'il faut les changer régulièrement. Alors, je vous fais un petit point. Attends, on est allé chez Darty, je suis trop contente. On a trouvé une cafetière top, je vous montrerai ça. Et là, on va chez Brico Leclerc pour les meubles, voir un petit peu les comparatifs de prix. Celui-là, je l'avais vu, par exemple. Mais il n'y avait pas le prix pour celui-ci. Ce meuble, il compte... Non, mais 229 euros, ça comprend quoi? Qu'est-ce que tu comprends? Dis quoi? Dans ce prix, ça comprend quoi? Où ça, tu vois, 29 euros? 229. Et bien 229 euros, c'est le meuble de salle de bain. Donc c'est ça. C'est le meuble de salle de bain. C'est que le meuble. Donc là-dessus, tu rajoutes ça. Je ne sais pas. 65 euros machin, et le miroir, il faut rajouter. Nous sommes de retour. Je vais donner ces petites croquettes. Et je vous montre après la nouvelle cafetière. Un petit côté futuriste. Elle est jolie, hein. Elle va être digitale. Et elle prend quand même moins de place. Elle fait très compacte. On avait les autres qui étaient à côté, qui étaient jusqu'ici. Donc, effectivement, elle a un coût. Et encore, elle est à 129. Normalement, elle est à 149 euros. Donc, c'était vraiment le moment de la prendre. Voilà, si ça vous intéresse, c'est celle-ci, la Krups. Je vais la préparer. Après, on va se poser un petit peu, coup de barre. Et puis, je vous reprendrai plus tard. Nous sommes le lendemain. Alors, j'ai oublié mon appareil photo, donc je filme avec mon téléphone. On est tombé par hasard. Regardez, le château de Moretzville, c'est un domaine dans lequel apparemment ça fait spa, ça fait réception, ça fait mini-golf. C'est magnifique. Franchement, j'ai presque envie, c'est pas très loin de chez nous, j'ai presque envie de les contacter pour faire un petit reportage un jour, voir les prestations. Non, mais c'est trop beau. Waouh. Ça décoiffe. Ouf. J'ai pas suffisamment d'informations pour... C'est pour ça que je vais voir ce qu'ils mettent sur le site. Attends, ici c'est quoi? Écoute, c'est ouvert, on y va. Hein. Accès piscine. Ah bah voilà. Ici c'est le Beauty Spa, l'orée du spa. Bon, on est dimanche donc j'imagine bien que c'est... Ah mais je te vois toi. Je te vois Coquino. Salut. Ta petite queue elle est coupée. J'ai remarqué que souvent les chats qui ont la queue coupée ou il y a un problème puisque c'est aussi la colonne, et ben ils ont une croissance qui est interrompue quoi. Tu le vois, il est petit hein. Là, hop, la piscine. Non, franchement c'est très très bon. Rien que ça, je trouve ça super mignon cette rangée. Écoutez, je vous fais de l'ASMR. On est tombé sur une petite aire. C'est une aire de quoi d'ailleurs?
Pardon ? C'est un camping. Non, c'est quoi en fait ici ? Une base de loisirs. Une base de loisirs, voilà. Ça fait partie de nos promenades du dimanche. On a fait une photo, franchement, avec un ponton. J'ai l'impression d'être ailleurs. Et alors, comme c'est l'appareil photo, faut pas bouger trop. J'ai oublié ma caméra, tu vois. Regarde, je te filme au bord de la mer. Tu l'entends ? Non, mais il va pas tomber. Hein. Il y a pratiquement 50 cm de profondeur là. Là, tu vois, moi qui voulais pas sortir, j'étais un peu en bas. Eh ben, merci Eric, ça m'a changé d'idée. Tu vois, je suis toujours un peu soucieuse. Ah bon ? Mais ça va mieux. Non, ça va mieux. Ça va mieux. T'es soucieuse avec moi ? Non. Au principe. Non, mais c'est des tracas. Oh, mais non, j'ai tout arrangé, je te dis. Ouais. Comme j'ai tout arrangé, c'est réglé. Non ? Bon, je vous reprends. Il est 20h, je suis toute démaquillée. J'ai même pas repris ma caméra. Je suis crevée parce que j'ai pas dormi hier soir. Comme je vous ai dit, peut-être, je sais pas si vous l'avez dit. J'ai eu quelques petites contrariétés que je vais essayer de résoudre demain. Parce que sinon, ça va me perturber. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Et bah, je vous dis à bientôt pour la suite. Eric est parti chercher. Pour me remonter le moral. Il est gentil quand même. Bon, il kiffe aussi. Allez, bisous. Ciao.